Bonjour, donc nous sommes le 20 mars. Donc nous allons travailler aujourd'hui sur la physiologie de l'effort, le rythme cardiaque. Donc on va voir comment évolue le rythme cardiaque lors de l'effort. Alors pour cela, je vous demande de faire un exercice. Donc il est sur Pronote. Donc vous avez un tableau et vous avez des indications sur ce tableau. On vous dit que la fréquence cardiaque et le débit cardiaque sont mesurés chez un individu entraîné et un individu non entraîné courant sur un tapis de course dont on fait varier la vitesse de défilement. La puissance de l'effort varie de 1 à 5. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus. Donc vous avez une fréquence cardiaque en battements par minute et un débit cardiaque en litres par minute. Donc la fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements de votre cœur par minute. Donc vous pouvez facilement le mesurer en prenant votre pouls pendant 10 secondes par exemple, et vous multipliez par 6 pour avoir le nombre de battements par minute. Et vous avez le débit cardiaque. Là par contre c'est un peu plus difficile à mesurer. Ce débit cardiaque, c'est le volume de sang qui passe dans le cœur par minute. Donc on a d'un côté, pour chacun de ces paramètres-là, on a un individu non entraîné et un individu entraîné. Donc non entraîné, entraîné. Donc les valeurs qui correspondent à chacun des individus. Et on a la puissance de l'effort. Donc 0, c'est quand, enfin c'est avant l'effort justement. Donc c'est au repos. Donc la fréquence cardiaque de l'individu non entraîné, celle de l'individu entraîné, le débit cardiaque non entraîné et le débit cardiaque entraîné. On a également donc la puissance de l'effort qui va varier de 1 à 5. Et donc on voit effectivement que la fréquence cardiaque va évoluer pour les deux individus, le débit cardiaque va évoluer pour les deux individus. Donc au niveau des questions, je vais vous demander tout d'abord de construire un graphique qui montre l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de la puissance de l'effort, donc sur un individu non entraîné et sur un individu entraîné. Donc sur ce graphique, il y aura deux courbes. Donc celle de l'individu non entraîné et celle de l'individu entraîné. Je demande ensuite de tracer un deuxième graphique, donc qui montre l'évolution du débit cardiaque cette fois-ci, toujours en fonction de la puissance de l'effort avec les deux individus. Donc même chose, vous prenez deux couleurs différentes puisqu'il y a deux courbes différentes. Une fois que vous m'avez tracé ces graphiques-là, je vous demande de décrire l'évolution de la fréquence et du débit à partir des graphiques que vous avez tracés. Je vous demande ensuite d'indiquer, toujours à l'aide des graphiques, l'effet de l'entraînement sur les modifications physiologiques. Donc là, il faudra comparer les individus non entraînés et les individus entraînés. Hein. Et enfin, la question E, je vous demande d'expliquer pourquoi, au cours d'un effort physique, le débit cardiaque d'un individu entraîné est plus élevé alors que sa fréquence cardiaque est plus faible qu'un individu non entraîné. Donc là, je vous demande de réfléchir. Hein. Là, c'est pas sur le graphique. Enfin, le graphique va vous aider hein, par rapport au. Parce que les réponses aux questions que vous aurez trouvées vous aideront à répondre à cette question-là. Et donc tout ça, ça nous permettra d'écrire qu'est-ce qui se passe lors d'un effort physique, qu'est-ce qui va se passer au niveau du cœur. Alors comment on trace un graphique? Donc là vous avez la question A. Construire le graphique montrant l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de la puissance de l'effort, donc sur un individu non entraîné et sur un individu entraîné. Donc je vous ai souligné deux paramètres, donc l'évolution de la fréquence cardiaque et la puissance de l'effort. Et j'ai mis en gras en fonction. Donc en fait, quand vous avez ce type de formulation, vous avez un élément en fonction d'un autre élément, donc un paramètre en fonction d'un autre paramètre. Le premier paramètre, qui est avant l'expression en fonction de. Ce premier paramètre-là, vous l'indiquerez, vous le placerez sur l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc vous mettez bien la fréquence cardiaque. Et il faut bien mettre les unités battements par minute. Et après l'expression en fonction de, vous avez la puissance de l'effort. Ça s'inscrit au niveau de l'abscisse. Donc l'abscisse, l'axe horizontal. Et vous mettez bien puissance de l'effort. Là, il n'y a pas d'unité. Donc si vous vous rappelez bien du tableau, la puissance de l'effort, elle varie de 1 à 5, mais on avait aussi la,
on avait aussi la puissance à 0 quoi, hein. Donc vous allez graduer, vous allez partir de 0 ici, et vous allez graduer, pourquoi pas tous les 2 ou 3 carreaux, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, à distance égale, hein, chaque paramètre. Et au niveau de la fréquence cardiaque, vous pourrez prendre par exemple un carreau pour 10 battements par minute. Donc je vous demande de tracer, alors si vous avez du papier millimétré, vous pouvez le faire sur du papier millimétré, mais vous pouvez faire ça aussi sur du papier à carreaux, hein, sans problème. Par contre, quand vous tracez un graphique, vous me faites tout au crayon de papier. Par contre, ce que vous ne ferez pas au crayon de papier, c'est la courbe de l'individu non entraîné, vous choisirez une couleur, et la courbe de l'individu entraîné, vous choisirez une autre couleur. Il faudra penser à mettre la légende également. Donc, par exemple, si vous mettez du bleu individu non entraîné, vous faites un petit trait sur le côté et vous notez individu non entraîné en bleu. Et si vous prenez du rouge, par exemple, pour l'individu entraîné, vous tracez un petit trait et vous écrivez individu entraîné en rouge à côté. Donc, hein, vous avez la fréquence cardiaque, vous avez bien la puissance de l'effort. Donc, si on prend d'abord l'individu non entraîné, donc à 0, vous allez vous mettre à l'intersection de l'axe des abscisses et des ordonnées. Et vous allez monter jusqu'à 70 battements par minute. Donc je vous ai dit, si vous prenez un carreau pour 10 battements par minute, vous allez monter de 7 carreaux. Ensuite, vous continuez toujours sur l'individu non entraîné, pour ne pas vous mélanger les points. Vous vous mettez à la puissance de l'effort à 1, vous allez jusque 90, c'est-à-dire 9 carreaux. Pour la puissance 2, vous allez jusque 110, c'est-à-dire 11 carreaux, etc., etc. Vous faites la même chose ensuite pour l'individu entraîné. Mais n'oubliez pas au préalable de tracer la courbe. Je vous propose de la tracer à la règle. Comme ça, ce sera plus propre. L'individu entraîné, vous faites la même chose ensuite. Donc ça, c'est pour le premier graphique. Pour le deuxième, vous allez faire la même chose avec le débit cardiaque. Bien sûr, vous ne prendrez pas la même unité en ordonnée. Hein. Là, ça monte jusque 20, enfin 25. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, un carreau pour 2,5 litres par minute, par exemple. Donc votre graphique, vous aurez bien la puissance de l'effort en abscisse, la fréquence cardiaque pardon, en ordonnée, mais il ne faut surtout pas oublier également le titre. Donc le titre, ça va tout simplement être ce que j'ai souligné et ce qui est en gras. Donc c'est l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de la puissance de l'effort. Ensuite, donc ça c'est pour la question A et la question B. Vous avez donc deux graphiques à faire. Question C, on vous demande de décrire le graphique. Donc dans un premier temps, vous observez l'allure de la courbe. Donc soit la courbe, elle augmente, soit la courbe diminue, soit elle reste constante. Quand vous allez décrire la courbe ensuite, je vous dis ici, attention, vous n'allez pas me parler de la courbe. Vous n'allez pas me dire la courbe bleue augmente ou la courbe bleue diminue, vous allez me parler du paramètre. Donc pour le premier graphique, vous allez bien me parler des battements par minute, donc de la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque augmente ou la fréquence cardiaque diminue. Et pour le deuxième graphique, vous allez me parler du débit cardiaque. Donc cette fois-ci, en litres par minute. Donc vous me dites, est-ce que le débit cardiaque augmente? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il reste constant? Donc ça, c'est ce que je veux que vous me fassiez quand vous me rédigez la phrase. Alors parfois il y a des points un peu particuliers sur le graphique. Quand on a une augmentation puis une diminution, on peut avoir un point particulier. Et dans ce cas-là, on l'indique. Mais pour vous, vous verrez que ça ne sera pas le cas. Donc pour le lundi 23 mars, vous me faites donc cet exercice. Vous me tracez les courbes, vous répondez aux questions et vous pouvez m'envoyer ou une photo de votre travail ou vous me scannez tout ça, vous me déposez ça sur Pronote, donc avant lundi 23 mars. Voilà, bon courage à vous. Et bonne journée. Au revoir.